Il me revient de conclure ce rassemblement après les paroles fortes de Jean-Luc et de Véronique. Tout a commencé au mois de juillet par un coup de fil de ma voisine de gauche, Nathalie, qui m'a dit « Est-ce que tu as vu ce qu'a fait le maire de Béziers ?» Je dis « Oui, il faut qu'on réagisse. » Qu'est-ce qu'avait fait le maire de Béziers ? Il avait refusé de marier un couple mixte franco-algérien sous prétexte de la situation administrative de l'Algérien. Ce n'était pas un mariage blanc, parce que s'il y a soupçon de mariage blanc, il y a enquête du procureur, ce n'est pas au maire de vérifier. Et le procureur de Béziers a conclu que c'était un couple tout à fait légitime pour se marier. Et le maire de Béziers a laissé venir ce couple aimant jusqu'à la mairie et avec un groupe de personnes a dit publiquement qu'il refusait de les marier et ceux-ci sont repartis dans la honte sous les quolibets fascistes et racistes. Nous ne pouvions pas l'accepter. Ça avait beau être fin juillet, nous ne pouvions pas l'accepter. D'abord parce que ce n'est pas la loi. La loi lui donne obligation de faire ce mariage. J'en sais quelque chose, je suis maire, je connais très bien cette loi. Mais pour une raison plus profonde, c'était inadmissible. C'est que notre pays est plein de couples mixtes, que notre peuple est composé de couples mixtes et que j'en marie très souvent ici à Grabel et qu'ils ont des enfants et qu'ils constituent la chair et le sang de notre village comme les autres. Nous ne pouvions pas accepter. Donc nous avons fait un communiqué dans lequel nous rappelions la loi. Et à ce moment-là, s'est déclenchée une vague de haine comme j'en ai jamais vu, non seulement sur les réseaux sociaux, mais également par des mails, par des coups de fil indignes au personnel de la mairie qui sont ici, par des propos écrits directement, par des dessins où on me voit pendu, par des cartes postales. Et bien que ce soit le 1er août, nous avons décidé de réagir. En publiant tout, en n'acceptant rien et en disant que nous allions déposer plainte. Cette plainte a été déposée pour injure publique, donc au civil, mais également pour menace de mort au pénal. Nous ne lâcherons rien. Sur ce est arrivée la rentrée et ce qui s'est passé avec l'afflux massif de 10 000 réfugiés sur l'île de Lampedusa. Et la ville de Grabel, et ce faisant, je ne défends pas seulement mon opinion, je défends le mandat que m'a donné le conseil municipal. La ville de Grabel s'est déclarée depuis plusieurs années ville accueillante et elle a adhéré à l'association de SOS Méditerranée, comme d'autres communes ici. Et donc, nous avons dit que ce n'était pas possible de ne pas accueillir ces réfugiés. Parce que quand quelqu'un se noie, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui tend la main. On lui demande ni son état civil, ni sa carte bleue, ni son titre de séjour. C'est un être humain, on lui tend la main. C'est d'ailleurs la loi. Nous devons porter assistance à toute personne qui est en danger, quelle qu'elle soit. Et c'est une longue tradition. C'est une tradition humaniste qui se trouve y compris dans les livres religieux des trois religions du livre que je connais, bien qu'un croyant moi-même, parce que je les lis, parce que je sais cette tradition. Et cette tradition humaniste, n'y a-t-il pas un de ces textes qui, il y a 2000 ans, écrit « Nous sommes ni juifs, ni grecs, ni femmes, ni hommes, ni maîtres, ni esclaves. Nous sommes frères en humanité. » Ce message, il a 2000 ans. Il a été poursuivi à travers les siècles.
l'humanisme civique, l'a porté à son plus haut niveau, entre la Renaissance, pour aboutir à ce texte qui nous fonde, qui est dans le préambule de notre Constitution, qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne s'appelle pas la Déclaration des Français. Elle s'appelle la Déclaration des droits de l'homme, car c'est la fierté de notre nation, c'est la fierté de notre République d'avoir dans son fondement un texte qui a une valeur universelle pour tous les êtres humains. Cela constitue le fondement même de notre vie ici en République. Le premier article, la première partie du premier article dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. J'insiste sur le deuxième verbe, demeurer, car pour naître égaux, tous les bébés se ressemblent. Ils sont démunis, ils ne peuvent pas survivre sans l'aide de leurs parents. Mais dès leur première minute de vie, s'ils sont nés dans un palais ou s'ils sont nés dans un taudis, ils cesseront d'être égaux et libres, identiques. Il faut donc se battre pour que, et c'est la promesse républicaine qui fonde l'action des maires et l'action de tous les élus de la République, qui devraient les fonder, c'est de faire que cette liberté et cette égalité soient maintenues tout au long de la vie. Et je peux vous dire qu'on y passe des heures et des heures devant les malheurs de la vie pour essayer de redresser tous les torts qui sont faits, parfois des enfants très jeunes. Donc, nous ne pouvions pas laisser. Et une deuxième vague de haine s'est déclenchée à ce moment-là contre nous. Et ce n'était plus possible. Et donc, il faut remettre l'agression. Je n'ai pas été blessé, je n'ai pas été frappé, j'ai été collé contre un mur. Et on m'a dit que je ne perdais rien pour attendre, ce qui est une menace. Et on m'a dit que j'étais l'ami des Arabes. Bon, Jean-Luc a très bien dit ce qu'il fallait. Mais je vais en rajouter. D'ailleurs, des Arabes, j'en ai mon conseil municipal. D'accord. Et je vais vous dire autre chose, je suis aussi l'ami des Berbères. Et j'en ai dans le conseil municipal. Algérie et Maroc, les deux. Puis je vais vous dire un plus, je suis l'ami des Africains. Et j'en ai dans mon conseil municipal. Voilà. Donc voilà, nous sommes frères en humanité. C'est fondamental à comprendre. C'est la seule manière de créer la paix civile. Et il faut se poser la question. Jean-Luc l'a abordé par un aspect tout à fait essentiel. Pourquoi cette violence? D'où vient cette violence? Je voudrais rajouter un élément en plus de ce qu'a dit Jean-Luc, dont je sais qu'il le partage. Il y a la violence à partir du moment où vous ne permettez plus au peuple d'être souverain. Il y a la violence si vous empêchez. Comment régler le problème de la violence? Par la démocratie, par la discussion, par le dialogue, et par faire que le peuple soit souverain. Or, ces dernières années, cette dernière année, nous avons vu des gouvernants faire passer des lois, et pas des moindres, des lois qui concernent la vie de tous, sans aucun vote de personne, sans que le peuple tranche. Il faut donc que nous retrouvions les fondamentaux qui sont dans la même déclaration des droits de l'homme. C'est le peuple qui doit être souverain. C'est le peuple qui doit trancher les différends. Et nous, nous sommes prêts à nous soumettre à la décision du peuple, car nous sommes démocrates et républicains. Et la violence vient à partir du moment où on ne veut pas de ça. Et on veut exclure la décision collective. Alors, nous allons terminer ce rassemblement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes partis de la place de La Fontaine, où Émile Berthomieux a donné sa vie contre les nazis en 1944. Et nous arrivons ici sur la place Jean Jaurès. Ne manquez pas le détour par derrière pour voir la magnifique photo de Jaurès. Photo exclusive dont on a les droits, Jean-Luc. Personne ne peut la piquer. Et on l'a acheté les droits. Jaurès, quand même, magnifique. Une grande photo qui est sur la cave coopérative, parce que Jaurès a fondé les caves coopératives. C'est lui qui a fondé celle de Maraussan en 1905. Et voilà, donc une cave coopérative, c'est l'alliance des gens, c'est la coopération, c'est l'entraide. Et voilà, donc Jaurès devait être là, donc la place Jean Jaurès. Et Jean Jaurès a été assassiné le 31 juillet 1914. Et comme je l'ai dit tout à l'heure,
le 31 juillet 2024, nous ferons une fête populaire et un hommage à Jean Jaurès sur cette place. Et je m'excuse de terminer par quelque chose d'un peu personnel. Je voudrais vous parler de deux personnes, René Gaston et Louise. Ils m'ont mis au monde 5 ans après un acte incroyable qui me marque. Lui, il était à la mine sur le plateau Mathézin, dans le Dauphiné. Elle était au bureau de poste. Et en novembre 42, ils ont quitté. Novembre 42, pour ceux qui savent l'histoire, c'était une année noire. La peste brune s'était répandue sur la totalité de l'Europe, à part les îles britanniques. Et ils ont décidé de tout quitter, de prendre les armes et de rejoindre le maquis. Ah, ils n'étaient pas des personnes savantes. Ils étaient simplement des patriotes républicains. Et je me devais de leur rendre hommage. Il faut qu'aujourd'hui, et mon père m'a dit, si un jour on tombe et que le drapeau de la liberté et de l'égalité est à terre, il faut qu'il y en ait d'autres qui le ramassent et qui le portent. Vous êtes là, vous porterez le drapeau de la liberté et de l'égalité. Vive la République ! Vive l'union du peuple !